je prends l'avion depuis Caen Carpiquet en moyenne 12 fois par année. Je prends au total l'avion plus de 100 fois par année. Je vais très souvent aux États-Unis parce que ATSIS a une filiale qui est basée dans le New Jersey, juste en face de New York. Je dois dire que tous les billets que j'achète sont en fait émis par le comptoir de l'aéroport. Le développement de l'aéroport est vraiment impressionnant. J'ai vraiment vu la fréquence des vols augmenter, des vols pour Marseille, alors que pendant très longtemps, il y avait essentiellement des vols Caen-Lyon, Lyon-Caen. C'était la plaisanterie que j'aimais bien faire. Maintenant, on peut vraiment aller en Angleterre, on peut aller à Marseille. Par rapport à notre activité, le gros avantage, c'est que étant basé donc à Saint-Comté, à quelques kilomètres de l'aéroport de Caen, je pars de mon travail. En 10 minutes, je suis à l'aéroport. Je trouve toujours une place pour me garer. Et une demi-heure après, je suis assis dans l'avion et prêt à décoller. Comparé à Roissy-Charles de Gaulle, où il faut partir 3 heures avant, prendre la voiture, éviter les embouteillages. Arrivé à Roissy, il y a l'attente au comptoir et il faut arriver 2 heures avant. Donc, ça veut dire que pour partir de Roissy en début d'après-midi, je pars à 8h du matin. Pour aller à Marseille depuis Caen Carpiquet, je pars 40 minutes avant. Au niveau des rendez-vous sur la ville de Lyon, l'avantage, c'est que je prends le premier vol hop du matin. À 9h, je suis à mon rendez-vous, frais et dispo. Et le soir, je rentre chez moi et j'ai pu assurer 6h, 7h de réunion, comme si de rien n'était. Et les pistes de ski ne sont pas loin, le cas échéant, pour passer un petit week-end sympathique en hiver.